Alors, les dernières heures avant une finale, c'est toujours des moments d'extrême concentration. On fait tout pour être dans sa bulle, pour être dans son monde, pour faire abstraction de sa famille, du monde extérieur, pour être pour soi. Et moi, je me suis toujours baladé. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je me suis toujours beaucoup promené. Dans mon cas, quand c'était à Saumur ou même à Marseille. À Marseille, j'ai fait la grimper jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde. Ce que j'ai fait là-bas, je le garde pour moi. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments où finalement, il faut se retrouver. Et quand on dit qu'un concours se gagne avec soi-même, c'est vraiment à ce moment-là que ça se met en place. Bien, les quelques heures qui se sont passées avant ma finale en 2016 à Toulouse, nous avions eu dans l'hôtel où nous résidions, organisé par le comité technique, une conférence par M. Yobrega sur les cépages endémiques au sud-ouest. En fait, ce moment d'attention et de concentration et de partage avec lui nous avait permis un peu de relâcher un peu les muscles et la pression. Ça, c'était le matin. Et puis, la finale se passait comme aujourd'hui, cet après-midi, en tout début d'après-midi. Et là, j'avoue qu'on commençait à sentir la pression monter. Alors, j'avais la chance d'être accompagné de mon épouse Natalia Bouvier, qui était là pour me rassurer, me remettre un peu en condition, me dire les choses essentielles de la vie qui, moi, me permettaient de monter sur scène vraiment avec le plus de plaisir possible. Voilà. Et je me rappelais d'une phrase forte que mon chef de cuisine me disait, surtout fais comme au restaurant. Voilà. Et prends plaisir. Donc si j'avais un conseil à donner aux candidats, relâchez un peu la pression. Moi perso, je lâchais quelques larmes dans ma chambre d'hôtel avant de monter sur scène. Voilà. La pression était forte, donc ça me permettait d'exorciser un peu tout ça. Et puis après, une fois que j'étais sur scène, je fermais les yeux avant de rentrer, je m'imaginais dans mon restaurant, de pas tricher en fait, d'être vrai. Alors les heures qui précèdent une finale, bon, elles sont forcément stressantes hein, pour les candidats. C'est l'aboutissement d'un très long parcours. Je pense surtout aux candidats là, qui attendent ce jour depuis très très longtemps. Donc là, ils vont vraiment arriver au bout d'un process de longue préparation. Ce qu'il faut, c'est évidemment arrêter de réviser, arrêter de se replonger dans tout ce qu'on peut plus apprendre à ce moment. Il faut vraiment se détendre. Et moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, que je m'étais pris un joli verre de vin en fait avant de commencer cette finale, parce que je trouve que ça décontracte beaucoup et ça désacralise un petit peu l'instant. Donc c'est un peu ce que je leur conseille. Buvez un verre de vin, ça vous rendra peut-être un peu plus fluide.